Coucou, ben aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi pour faire un peu de couture. Alors je vais faire le pantalon Gotan de petit dôme pour Johanna. J'ai décidé de le faire en taille 6 ans. Ça va être une toile, donc je vous avais présenté hein, dans une de mes dernières vidéos le tissu que je vais utiliser, que je suis en train de repasser. Donc le pantalon Gotan, c'est un jegging, ou ouais, c'est un jegging, ils appellent ça un jegging, donc le voici. Alors il coûte 7,50 € en numérique et 15,90 € en pochette. On a plusieurs possibilités hein, pour ce pantalon. Est-ce que je vais avoir des... Voilà, c'est pas très grand. Voilà, on a plusieurs possibilités. Je vous montre sur ma tablette parce que je l'ai pas sorti en papier. On a plusieurs possibilités. On a des possibilités de découpe sur le devant, voyez. On a des possibilités aussi de découpe sur le dos. Ici, sur le dos, on peut mettre des poches, on peut faire une fausse braguette, on peut le faire en bootcut flare, enfin comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. On peut le faire en skinny, en tout droit si on le veut. Donc moi, j'ai choisi. Alors, je vais faire les découpes. Je vais faire toutes les découpes parce que je pense que c'est ça l'intérêt de ce patron, c'est de faire les découpes. Après, voilà. Bon. Alors, j'avais cherché parce que sur le coup, je regarde le livret technique un petit peu avant de commencer. Et je regarde par là parce que l'ordinateur est par là. Bah, je me disais, c'est quand même bizarre qu'elle parle de découper, hein, les traits des découpes sont faits sur le patron et elle ne parle pas de rajouter les marges de couture pour ces parties-là, c'est quand même un peu bizarre. Alors évidemment, parce que là je viens de rechercher bah, le fond de poche parce que j'avais oublié de le décalquer et sur le patron, il est indiqué Pascal, si je le retrouve où il est. Il est indiqué marge de couture, il est indiqué ici, hein, marge de couture non incluse. Alors évidemment, donc du coup, si tu fais des découpes, ben Pascal, il va falloir mettre les marges de couture de tes découpes, mais n'oublie pas aussi de mettre les marges de couture tout partout parce que du coup, il n'y a pas de marge de couture. Voilà. Donc j'en suis là. Là, j'ai découpé les pièces. Je vais découper les pièces. Ça, c'est le dos. Donc, sur le dos, il y a cette découpe-là à faire que je vais faire. Sur la petite poche qui va au dos, on a un tracé pour faire une surpiqûre que je vais faire aussi. Et sur le devant, donc, on a la fausse braguette. Alors, ne faites pas attention de ce trait-là, c'était une erreur. Donc, la fausse braguette que je vais faire aussi parce que bah, écoutez, j'en ai jamais fait des fausses braguettes. J'ai toujours eu peur. Donc, hop, on va se lancer aujourd'hui. Il faut se donner un petit peu voilà, donc ici je vais faire la poche italienne. Donc il y a une découpe ici. J'ai fait voilà hein, le patron de la poche italienne. Voilà, ici. Alors, je me rends compte qu'elle est pas bizarre cette poche italienne. Je vais essayer de le retracer quand même parce que ça me semble bizarre. Il manque un morceau, hein, à mon avis. Est-ce que je me suis trompée dans la découpe ou pas? J'en sais rien. Donc, je vais voir ça. Et il y a le fond de poche, bien évidemment. Donc, ici, une découpe, forcément. Ici, c'est une découpe aussi que je vais faire parce que c'est sur le devant de la jambe où il y a une découpe. Donc, voilà. Je revois la poche et puis bah, je fais toutes mes petites découpes, je repasse mon tissu et on se retrouve pour
placer sur le tissu ensemble. Alors, j'ai repassé mon tissu et comme vous pouvez le voir, hein, j'en avais parlé dans ma dernière, dans ma vidéo où je présentais mes projets et puis les tissus dans lesquels j'allais faire. Vous voyez, j'ai des taches au niveau, alors des taches de comment ça s'appelle, pas de soleil, mais de ça a déteint un peu sur mon tissu et du coup, bah voilà, je suis un peu déçue. Hein. Mais bon, j'en ai 2,5 m, je crois, de ce tissu. Et de ce côté, il y en a un peu moins. Un peu moins. Donc, je pense que je vais prendre ce côté-là. Hein, et voilà. Il y en a un peu moins, même beaucoup moins. Ça se voit presque pas. Donc, je vais prendre ce côté-là pour faire le gotan à Johanna. Et moi, ben, j'ai commencé par ça parce que je savais que ce tissu-là était un peu... vous voyez pas trop mon bazar, j'espère, parce que ce tissu-là avait des taches et moi je vais faire, j'ai un short à faire pour les bobby patterns en test et je le ferai dans ce tissu-là aussi pour moi. Hein. Alors c'est pas trop mon kiff, hein, ce motif, mais de l'autre côté, vous voyez, on peut le prendre aussi à l'envers hein, parce que du coup ça fait un jean clair. Et bah, je ne sais pas si les taches se verront moins, mais en tout cas, pour moi, je le mettrai dans le côté envers du tissu. Donc, je voulais juste ajouter que pour le gotan, dans les explications, elle préconise du tissu avec 30% d'élasticité. Tout juste, hein. Je suis tout juste, je pense que j'ai même un peu moins que 30%. Alors, elle explique que moins de 30%, ça va être un peu petit. Donc, on va croiser les doigts que non. Je dois avoir 25% d'élasticité. On va donc croiser les doigts que non. Et si on prend trop d'élasticité, eh ben là, ça matchera pas non plus, ça sera un peu trop large. Je place les pièces et puis ben, on va les placer ensemble d'ailleurs. Donc, vous êtes peut-être un peu de travers. Voilà, je pense. Donc, j'ai retourné mon... parce que je suis droitière, hein, donc voilà, j'ai retourné mon tissu. Je vais le plier en deux parce qu'il n'y a pas de, patron, enfin de morceau de patron qui est au pli. Donc je peux le plier en deux pour pouvoir positionner mes pièces, voilà, sur le. Parce que moi, quand il y a des au pli, je fais au fur et à mesure. Hein, vous savez, je plie, je mets ma pièce, je coupe, je replie, je mets mon autre pièce, je coupe. Enfin, voilà. Je fais un peu comme ça. Alors, c'est peut-être pas académique hein, du tout. Mais c'est ma façon de faire. Donc là, comme il n'y a pas de mise au pli, je peux le plier complètement en deux. Voilà, je vous reprends quand j'ai quand je me suis battue avec ça parce que je me bats avec le bout de tissu. Voilà, alors j'ai plié mon tissu, alors vous voyez, donc pas trop de traces là, une petite là, et ça se voit sur l'envers alors que je pensais pas, oui, alors de ce côté-là, oui, il y en a un peu, bon bah écoutez, hein, tant pis, hein. Au pire, elle le mettra à la maison, mais de toute façon c'est pareil, hein. Et ici beaucoup plus de traces, vous voyez, et ce morceau-là, je l'utiliserai pour moi pour le short. Donc, si on voit vraiment trop les traces, et encore, je vous dis qu'à Charleville, j'ai vu un tissu hier avec beaucoup. Alors, c'était un peu imitation, enfin, c'était du jean matelassé, je crois, ou je ne sais plus. Et puis, il y avait plein de traces comme ça. Alors, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est la mode? Je ne sais pas. En tout cas, si ça plaît pas trop, ben voilà, elle le mettra pour jouer à la maison. Et puis, c'est une toile. Donc, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Parce que là, franchement, voilà. Ben, je suis pas trop sûre de moi, quoi. Ce patron est un peu avec plein de découpes. Bon, je me rends compte que j'ai... Voilà, le téléphone, je le mets dans ce sens-là, sinon ça fait des bandes noires quand je monte ma vidéo. Il faut que j'y pense, donc il faut que je reste à l'horizontale. Allez, on y va, on coupe les... Enfin, on coupe, oui, parce que j'ai pas coupé les petites pièces qu'il faut que je
découpe. Donc, j'ai toutes mes petites pièces qui sont là. Alors, ma paire de ciseaux pour pas les tissus. Donc, ici, hop, c'est, il faut que j'enlève ce morceau-là pour l'emplacement de la poche que j'ai redessiné. Hein, que j'ai redessiné, je vous ai dit que ça me paraissait bizarre. Donc, je l'ai redessiné, je l'ai fait un peu plus haute et tout. Parce que, ben voilà, ça me semblait un peu bizarre. Donc, hop. Je fais la découpe du devant sur la jambe. Hein. Il y a une découpe. On ne va pas oublier les marges de couture. Hein. Il ne faut surtout pas que j'oublie parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire sans marge de couture. Enfin, normalement, octobre et tout ça. Et souvent, 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 j'oublie. Ça m'énerve d'ailleurs. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, il faut le couper deux fois. Hop, la bande, hop. Alors, si je vous tournais un peu pour vous voyez ce que je fais. Hop, hop, voilà. Voilà, je pense que ça va. Vous voyez, j'ai coupé et je place donc mes pièces. Donc, bah, y a ça aussi. Donc, le devant... Ah oui, il y a aussi une découpe à faire ici, pas pour le devant, pour le dos. Donc, allez, hop. C'est plein de petites pièces, hein. Du coup, il ne faut pas les perdre. Voilà, donc ça, ça vient comme ça, normalement, vous ne voyez rien. Oui, ici, donc là. Poche, ici c'est la petite pièce qui vient là. Alors, du coup, je vais placer ma pièce dans le droit fil, comme ça, et je vais placer cette pièce là pareil. Vous voyez, elle va venir ici, donc il faut pas que j'aille contre le droit fil, donc je vais l'écarter comme ça pour pouvoir mettre les marges de couture. Voilà. Mais j'ai suivi, vous voyez, mon patron droit fil. Hein, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas été. Je suis contente d'avoir pensé à ça. Donc, ma petite poche, je peux la poser là. Ensuite, ben, le fond de poche. Non, le fond de poche, je vais le faire dans un tissu plus fin. Ma poche de devant. Voilà. Le fond de poche, on va garder après pour faire dans un tissu plus fin que je n'ai pas encore choisi. C'est pas très grave, ça on le fera après. Donc voilà, hein, je vais épingler mes pièces. Oh, vous voyez, j'en aurai largement assez. Alors, vous voyez, la bâche, hein, j'entends dire certaines bah, qui sont plus professionnels que moi, en tout cas, qui disent que la bâche, ça se déforme quand on... Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand j'ai tracé sur ma bâche et que je pose sur mon tissu, j'essaye de ne pas trop tirer sur la bâche pour qu'elle se déforme le moins possible, parce que c'est vrai que ça peut peut-être être un petit peu extensible, hein, cette bâche. Et du coup, j'essaye de eh bien, que ça soit le moins extensible possible. Donc, pas tirer dessus, poser sur mon tissu et juste bien mettre à plat, quoi. Mais pas tirer sur la bâche. Est-ce que vous me comprenez? On ne sait pas, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc là, je vais mettre des marges de couture. Ici aussi. Vous savez quoi, je vais peut-être faire autrement. Je vais prendre ma règle. On peut faire comme ça aussi, hein, prendre ma règle. Donc mon droit fil est là et c'est pas évident parce que
Vous voyez, j'ai recollé. Un grand mot. Hein. J'ai remis la pièce comme elle était à l'origine. Je prends ma règle parce que mon droit fil, là, j'ai peur de ne pas de me tromper. Donc, hop, alors je le mets bien. Comment ça se plaçait? Ça se plaçait comme ça. Voilà. Hein. Mon droit fil et je vais tracer. Voilà, j'ai pris le droit fil avec ma règle et j'ai été tracer un trait ici, là-haut, qui va être le droit fil de ma petite pièce. Hein. Et comme ça, je peux la placer un peu où je veux. Hop. Comme ça, je vois comment la placer selon mon droit fil. Hein. Mon droit fil ici. Je peux la placer un peu comme je veux. Parce que bah, je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour faire... Oh, je m'embête bien pour pas grand-chose. Hein. Ah. Vous savez quoi? Je peux peut-être la mettre là, cette petite pièce. Hop, voilà. Bon, alors, du coup, mon droit fil ici. J'attache ce morceau de... sur le dos, hein, à mon tissu. Hop. Je répète, sans tirer. Hop. Comme ça, ma petite pièce qui va venir en haut, je peux la mettre là, comme ça j'aurai de la marge tout autour pour faire mes marges de couture. Mon droit fil est ici, donc par rapport à... Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, il y en a qui sont encore plus précises, hein, qui prennent des règles, machin, truc, pour voir si c'est vraiment bien droit. J'avoue que moi, je ne le fais pas. Hein, je me mets par rapport à la... à la longueur du tissu. Hein, et puis, voilà. Je le fais un peu au pif, mais pas trop au pif non plus. Hein, j'essaye de... Alors ça, c'est la poche de devant, pareil, le droit fil est sur le côté, là, bien sûr. Ma poche de derrière, alors que je trouve petite quand même. Hein. Mais il y a des marges de couture, c'est vrai. J'ai vraiment pas l'habitude qu'il y ait des marges de couture, donc du coup, ça me perturbe. Voilà. Et maintenant, je vais tracer ces fameuses marges de couture. Alors, j'ai un stylo friction, j'ai ma petite réglette, et puis c'est parti, hein. De toute façon, je vais faire mes marges de couture à 1 cm. Hop, et puis, bah voilà, hein, tout le tour de toutes mes pièces. Je ne vais pas vous garder pendant que je fais ça, hein. Je vous reprends après. Donc voilà, vous voyez, j'ai tracé tout autour, voilà, les petits traits qui vont faire que j'aurai ma marge de couture à 1 cm. Là, c'est le placement de la poche arrière. Donc là, pour ça, c'est bon. Il me restait cette petite chute de tissu suisse. Que j'avais fait une blouse de chez Maison Fauve dedans, je ne sais plus son nom. Enfin, bref, il a été gratuit, il est payant maintenant, de l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je ne sais même plus. Enfin bref, il me restait un bout de ce tissu-là, je vais faire les fonds de poche dedans. Ça va être joli. Un petit peu de fleurs, hein?
Bon, vous avez deviné, je crois, je me suis trompée, hein. J'ai pas coupé dans, avec les marges de couture, comme d'hab. Donc, quand je vous dis que j'ai vraiment pas l'habitude des patrons qui n'ont pas de marge de couture, c'est la vérité. Donc, j'ai replacé mon morceau, mon fond de poche autrement. J'ai décidé de, là, ça va être le fond. Ah. Oui, alors je reprends parce qu'on a été coupé par un coup de téléphone. Donc, j'ai coupé mon fond de poche autrement. Il va y avoir un petit couac là, mais c'est le fond de la poche. Donc, ça va pas être très grave. Et voilà, parce que j'en ai plus. Et puis, ça m'agaçait d'avoir gaspillé ce bout de tissu. Voilà, enfin, faute à moitié réparée. Donc, je vous reprends... 2 jours après, hein, parce que j'ai gardé les petits hier. Donc, bon, vous savez que j'ai découpé hein, les empiècements, hein, les patrons. Alors, vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rescotchés grossièrement au patron, pardon. Voilà, ici aussi. Pour, quand je vais ranger mon patron, pas me demander dans quel sens ça va, etc. Donc là, j'ai épinglé l'empiècement du dos. Et là, je vais épingler les empiècements du devant. Hop, qui viennent comme ça et comme ça. Donc, allez, c'est parti, j'épingle ça et je vous reprends après. Alors, je vous montre quand même. Hein, vous voyez, les empiècements, je mets un bout... Je épingle ou pince un bout d'un côté, un bout de l'autre. Et après, voilà, on répartit à chaque fois de chaque côté pour bien suivre les courbes. Hop. Hop. Alors voilà, ainsi de suite. Hein. Et du coup, je vais aller piquer mes empiècements, tous mes empiècements. Comme ça, ce sera fait. Alors, ma recouvreuse, je l'ai enfilée en gris clair et ma piqueuse plate, je l'ai enfilée en bleu marine. Mais... mes coutures voilà, seront faites en bleu marine, mes surpiqûres aussi, et mon surjet sera fait en gris clair. C'est mon choix. Hein. Après, on peut choisir autrement, mais là, je vous dis le choix que j'ai fait dans mes fils. Alors, vous voyez, je vais commencer ma piqûre par le bas des jambes. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est académique et tout. Mais pour pouvoir suivre ensuite la couture en rond, là, en courbe, plus facilement pour moi. C'est mon... Voilà, c'est mon choix. Alors, j'ai dit que je faisais les coutures à 1 cm. Maintenant, je vais aller coucher mes coutures au fer à repasser. Non, je vais déjà surjeter. Hein, et puis après, je vais aller coucher mes coutures vers l'intérieur ou l'extérieur. Je ne sais pas. Il faut que je regarde sur le livret technique. Vers l'extérieur. Oui, vers l'extérieur, ce serait bien. Et je ferai ma surpiqûre à l'extérieur. Ou à l'intérieur, qu'est-ce qui serait le mieux? À l'intérieur de la jambe, je crois pas que ce soit indiqué. Je vais regarder. À
Alors, si c'était indiqué de coucher la couture vers le devant du pantalon, hein, vers la braguette. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, je fais la deuxième. Et passer à la surjeteuse. En lisant le cahier technique, j'ai vu qu'il conseillait, si on avait une recouvreuse, de faire les surpiqûres à la recouvreuse. Oui, c'est vrai que c'est pas bête. Alors, pourquoi? Parce que on a pris un jean légèrement extensible. Donc, comme la recouvreuse, c'est quand même pour faire des surpiqûres, etc., sur du chien de trame aussi, mais elle gère l'extensible. Donc, on ne va pas s'embêter et on va faire ça à la recouvreuse. Alors, du coup, eh bien, je vais l'enfiler. Je vais enfiler ma recouvreuse en bleu marine. En bleu marine, je ne sais pas si vous voyez. En bleu marine, comme ça. Voilà. Hein. En bleu marine, hop. Donc... Eh bien, allez, on y va. Hein. Alors, c'est bien sûr ma mon Euphoria. Donc, c'est un enfilage à air pour le boucleur. Donc, voilà, j'insère dans le petit tuyau, là, mon boucleur, mon fil de boucleur. Et ah bah, si je l'allume pas, ça ne marchera pas. Et hop, et voilà, il est passé de l'autre côté. Ça, c'est fait. Et je vais enfiler mes aiguilles. Alors, l'avantage de cette recouvreuse, c'est qu'on n'a pas de sens. Hein. Si je veux commencer par cette aiguille, je peux commencer par cette aiguille. Si je veux commencer par l'autre, je peux commencer par l'autre. Ça n'a pas d'importance. Donc, il y a un enfileur automatique que je trouve moins pratique. Bah, vous voyez, là, j'y arrive du premier coup. Mais que je trouve quand même moins pratique que ma surjeteuse. Je ne sais pas pourquoi. Le manque d'habitude, peut-être aussi, parce que j'ai quand même beaucoup plus l'habitude. Enfin, si, je commence à avoir l'habitude de l'enfiler, mais j'enfile ma surjeteuse vraiment les yeux fermés maintenant. Alors, hop, je me mets à la deuxième aiguille, je passe mon fil entre les deux, et hop, oui, c'est passé. Ah bah, vous voyez, ça me fait mentir, parce que devant vous, pour une fois, ça marche tout seul. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude de passer mes fils en dessous du pied presseur. Apparemment, c'est pas obligatoire, donc voilà, on relève tout ça. Et elle est prête à fonctionner. Donc, vers la braguette, hein, on a dit. Donc, on va positionner. Alors, le pied est là. On va positionner, hop, les aiguilles. Je vais mettre devant, ça sera mieux. Et c'est parti. Pour la... Et puis, finalement, ça va aller plus vite. Parce que, du coup, eh ben, les surpiqûres vont se faire... En même temps. J'ai fait un point de repère. J'espère que je ne dévie
pas trop, que mes surfaces sont bien alignées, parce que voyez-vous, j'ai quand même plus l'habitude de faire mes surpiqûres, j'en postillonne à la avec ma machine plate. Alors je vais essayer de bien tourner. Hop. Voilà, donc je relève mes aiguilles. Voilà. Et je relève le pied de biche. Je vais derrière mes deux fils. Je tire mes fils. Hop, ici. Je coupe mes deux fils. Et voilà, ça c'est fini. Maintenant, on regarde si ma surpiqûre est jolie. Est-ce que vous allez voir, parce que vous êtes un peu à contre-jour là, du coup, avec la fenêtre. Bah écoutez, elle est là, hein. Là, le point de recouvrement est beau derrière. Finalement, c'est pas mal. Et si, c'est pas mal. Je croyais qu'elle aurait, elle se serait vue plus que ça, j'avoue. Mais elle est là. Alors, je ne sais pas si vous... Je vais peut-être vous mettre... Et elle est là. Non, non, c'est pas mal. Ce sera bien. Ça sera très bien comme ça. Donc voilà, je vais continuer l'autre. Hein. Je vous reprends après. Il fait deux fois que je me prends en photo, hein, plutôt que de prendre ma vidéo. Bon, bref. Donc voilà. Ah ben non, j'ai pas fini. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que je voulais vous montrer que les surpiqûres étaient faites sur les devants. Hein, sur les devants. J'ai un chien qui aboie. Pourquoi ? Parce que... parce qu'il y a les messieurs de la mairie qui tondent les pelouses devant. Je vais attendre hein, qu'elle ait fini d'aboyer parce qu'elle est sourde. Alors, c'est pas la peine que je crie après elle. Voilà. En attendant que mon chien ait fini d'aboyer, j'ai été faire mes surpiqûres. Voilà. Et du coup, je vous prends, pas pour montrer mes surpiqûres, parce que voilà, je suis contente hein, déjà. Mais j'ai bien fait de regarder... Le livret technique, alors le livret technique, je le regarde sur mon ordinateur, hein, je le... Enfin, maintenant, c'est rare quand j'imprime les livrets techniques, je regarde sur l'ordinateur. Mais en voyant la photo et puis en retournant ma rehausse, là, mon petit empiècement par rapport à la photo, hein, je l'avais épinglé, je le retourne, je dis, oh, c'est bizarre, ça ne se fait pas pareil. Alors du coup... J'ai inversé et j'ai bien fait parce que je les avais mis à l'envers. Merveilleux, je m'en suis rendu compte avant. Alors maintenant, je vais m'occuper des poches. Comme mes morceaux sont reconstitués, j'ai envie de dire, moi je vois plus clair. Eux, ils ont commencé par les poches sur le livret technique. Moi, j'ai préféré récupérer mes morceaux entiers. C'est plus clair pour moi. Donc maintenant, je vais m'occuper des poches. Alors les poches, regardez. Les poches, vous voyez, hop. J'avais mon patron l'a décalqué comme ça. Je l'ai découpé au niveau de la surpiqûre qu'il faut faire, du dessin qu'il faut faire. Et puis comme ça, je vais venir mettre sur les poches. Alors, j'essaye de les mettre bien à 1 cm à vue d'œil. Hein, à 1 cm. Voilà. Et je vais dessiner... au crayon friction le trait que je dois faire en surpiqûre pour le dessin. Alors évidemment c'est pas obligatoire hein, on n'est pas obligé de faire un dessin, mais je trouvais que le dessin était joli, donc non comme ça hein, voilà en miroir, évidemment, donc on retourne. Il faut penser à tout. Un petit peu plus haut, légèrement.
j'essaye que ce soit à peu près symétrique. Voilà, donc je dessine le trait que je vais passer sous la recouvreuse, hein, puisque je suis partie avec le recouvreuse. Sinon, d'habitude, c'est vrai que je le fais à la machine. Voilà. Hop. Je ne sais pas dans quel sens, peut-être dans ce sens-là. Voilà, donc je vais aller faire ça. Voilà, j'ai positionné mon tissu pour que la ligne soit entre les deux aiguilles. Hein. Je vous prends parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment je faisais pour faire des coins, vous savez, à la recouvreuse. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Peut-être mes mouvements. Alors, je suis bien, mais tranquillement, ma ligne pour essayer de bien suivre le tracé. Pas évident, hein. Alors, voilà, c'est pas évident. Donc, c'est ce que je disais à la personne qui m'avait posé la question. J'ai mon ventricule qui m'avait posé la question en commentaire une fois. Voilà, je peux même y aller. Hop. À la manivelle, voilà, donc je suis arrivée au bout et vous voyez, je vais tourner mon ouvrage à la main. J'ai relevé les aiguilles, je retourne à la main, je rebaisse mon pied presseur et hop, je replante mon aiguille pour que le fil se tende bien et hop. Alors, voyez, je m'aide en relevant le pied presseur de temps en temps pour essayer de suivre une courbe et je vais doucement. Et je vais doucement. Hop. Voilà. Alors, attendez, je vous montre ça. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, mon dessin. Et vous voyez, là où j'ai tourné, bon, ça fait propre quand même. Mais il n'y a pas d'autre solution hein, que de relever ses aiguilles, de relever son pied presseur et de tourner délicatement son ouvrage. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Quand je suis des explications, après, il y a peut-être une autre méthode. Hein. Si vous en avez une autre, vous me mettez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneuse. Hein, mais moi, c'est cette solution-là que j'ai trouvée pour faire des surpiqûres propres. Et puis, voilà, il n'y a que cette solution-là. Enfin, moi, j'ai cette solution-là, en tout cas. Voilà, donc je vais faire l'autre. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, on plie nos petites poches. On prépare les plis hein, de nos petites poches. Alors, au départ, j'ai commencé à plier là sur le bord et tout, le bas et les côtés à 1 cm. Mais le haut, je l'avais calculé à 1,5 cm. Et vous voyez, des fois, ça dépasse un peu là, hein, ici. Voilà, vous voyez, quand on replie, ça dépasse un peu. Alors, moi, ce que je fais, c'est une fois que ça a été plié, je déplie, je viens au coin plier mon tissu comme ceci. Alors, je déplie, hein, puis ça fait une marque. C'est un peu en contre-jour, hein, là. Hein, du coup, avec la fenêtre, ça fait une marque. Et je viens plier ici, voilà, dans la marque et replier les côtés, voilà, comme ça. Ça ne fera plus de petits dépassements et je remets un petit coup de fer. Un petit coup de fer. Donc je vais recommencer parce que je vous l'ai fait quand même à l'arrache. Hop, hop. Voilà.
je le maintiens. Hop. Je mets un petit coup de fer. Je fais la même chose sur l'autre coin. Alors, les coins du bas, comme ils sont un peu en biais, ils sont coupés, vous savez, en pointe, là, en biais. Et bien, du coup, ça n'a pas besoin d'être replacé. Il se place comme il faut. Hop. Voilà. Le bas, on voit pas de petits bouts de tissu qui dépassent. Ça se place bien. Et le haut, vous voyez, avec cette petite méthode-là, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que à 1,5 cm, je vais venir faire aussi une surpiqûre là, hein, pour maintenir mon tissu, évidemment. Et puis que le haut de ma poche là retournée ne s'effiluche pas, hein, ça sera pris. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'aurais pu surfiler tout le tour, hein, c'est vrai. Allez, je fais ça. Alors voilà, ma petite surpiqûre est faite. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Alors oui, je vous entends, Pascal, quand même, t'aurais dû surfiler, ça aurait fait plus propre, tout. Oui, je vous entends. Effectivement, vous savez quoi, ben, je suis franche avec vous, je n'y ai pas pensé. Sur le coup, j'ai fait une petite pause pour manger entre temps, et ben, je suis repartie dans voilà, ma poche, et puis je n'y ai pas pensé. C'est pas très grave, ça va pas se voir. Je vous assure, ça va pas se voir, mais je vous promets que la prochaine fois, quand j'en referai un, parce que si ça lui va, je lui en referai un, je le ferai. D'accord? Je ferai tout bien. Maintenant, je vais placer la poche sur le dos. Alors, ce que je fais aussi, pour que ce soit plus facile, je découpe le tracé qu'on est venu faire. Ils nous le mettent, hein, sur le patron de l'emplacement de la poche sur la partie dos. Alors, du coup, je découpe et comme ça, ça sera plus facile. Alors, je découpe pas non plus au millimètre près, quoique c'est presque ça. Hein. Pour pouvoir ensuite replacer mon patron sur mon tissu et placer la poche sur le tissu, mais comme il y aura un trou, je pourrais l'épingler, vous voyez, ça ne va pas me poser problème. Je vous montre. Hop. Donc, je pose. Ah oui, vous voyez, je l'ai mis à l'envers. Je l'avais cousu comme ça, du coup. Mais du coup, c'est à l'envers, ça. Il ne faut pas en tenir compte. Hein. Donc, je pose à 1 cm à peu près de ma fourche. Voilà. Hein. Un petit peu descendre, hop, et je viens poser une poche à l'intérieur, voilà, je vais venir la poser comme ça. Alors, je ne sais pas, ici c'est la fourche, donc ça, oui, comme ça c'est bien, donc voilà. Et une fois que c'est posé, hop, je peux piquer et elle ne bougera plus. Comme ça, l'autre, il est où? Il est là, je fais pareil. Hop, je vais répondre parce que c'est forcément en miroir, à peu près à 1 cm du bord. Hein, voilà. Et je repositionne. Hop, 1 cm du bord. Je repositionne ma poche. Voilà. Une petite épingle. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir aller la coudre toujours à la recouvreuse, hein, en faisant les coins comme je viens de vous dire. Je regarde si... plus comme ça. Hop. Ça va être joli. Je regarde si c'est à peu près droit. Si c'est à la même distance. Elle est où, ma petite réglette? Elle est là-bas. Je l'ai laissée là-bas. Zut. Si c'est à la même distance ici et ici, alors montrez-moi, madame, 1,5, ici j'ai
un petit peu plus, un petit peu plus. Donc, je vais la remonter un peu. Un chouillette. Plus ma règle n'est pas très précise. Hein. Voilà, je les ai placées. Et maintenant, je vais venir coudre tuc, comme ça. Hein? À tout de suite. Je vous montre pas hein, celui-là. Alors, voilà, c'est terminé. Hein, mes petites poches de derrière sont placées. Voilà, ça fait tout mignon. Hein, super beau. Et puis, j'en ai profité aussi pour rescotcher dans le bon sens le morceau. Là, voilà, comme ça, ça s'est fait. Oui, il faut que je rescotche aussi. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Hein, ça va vite à décalquer hein, la petite poche, là, que j'ai suivi le tracé, vous savez. Et maintenant, eh bien, on va passer aux poches de devant. Donc, les poches de devant, on prend donc les devants. On prend les poches de devant hein, et on va venir placer, parce que c'est des poches à l'italienne, donc on va venir placer endroit contre endroit, hein, ici, alors c'est la jambe, là c'est la fausse braguette. On va venir placer endroit contre endroit ici, faire une piqûre, surjeter, retourner, voilà, pour que ça fasse un beau... je suis en train de penser que j'ai fait... On verra après. Je vais déjà faire ça. Bon, ben, je vous reprends. Je vous reprends. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas une couturière non plus les plus expérimentées. Hein, faut pas croire. Hein. Je fais des erreurs. Hein, ça, c'est clair et net. Je fais des erreurs. Mais bon, là, je suis contente parce que pouf, je m'en rends compte à temps, là, sur ce modèle. Donc, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai présenté mes pièces. Hein, et coupé dans le tissu hein, genre Liberty, mais c'est du coton suisse, hein, c'est pas du Liberty, que j'avais hein, pour le fond de poche pour le tissu Liberty, coton suisse. Et puis, je me suis rendu compte que je me suis trompée, parce que si j'avais fait le coton suisse en fond de poche, eh ben là, on aurait eu du coton suisse, ce qui aurait pu être joli, mais il est fin et il est fin. Donc, pour un jean, c'est pas heureux. Donc, ben, j'ai redessiné mes pièces. Hein. Donc, sur le coton suisse, j'ai su faire le petit décochement comme ça, hein, pour pouvoir mettre ma pièce endroit contre endroit sur mon devant et mon fond de poche. Et comme ça, du coup, là, ça marche beaucoup mieux. Hein, voilà, j'en ai fait une. Vous voyez, le coton suisse est de ce côté-là. Le fond de poche est là. Donc, du coup, comme c'est une poche italienne, vous voyez, on a l'ouverture qui est ici et le reste du pantalon qui est ici. Donc, j'en ai fait une complète hein, parce que je me suis dit, je vais, avant de filmer, voir si j'ai raison, que je me suis bien trompée. Alors, je n'ai pas regardé le cahier technique hein, cette fois, mais bon, ce n'est pas la première... poche italienne que je monte, donc voilà. Donc là, j'ai épinglé pour la deuxième hein, que je vais faire mon coton suisse endroit contre endroit de mon devant de mon devant de pantalon, et je vais aller venir faire une piqûre ici. Je surjette, je retourne, je le passe au fer à repasser. Et je viens faire une surpiqûre, hein, comme ici, je viens faire une surpiqûre, j'ai fait une surpiqûre. Alors, vous voyez, bon, je l'ai fait à la recouvreuse, hein, puisque je suis partie avec ma recouvreuse, donc je suis... mais d'habitude, je le fais avec ma piqueuse droite, et je trouve quand même que, bon, ça va, je gère, hein, elle est belle, hein. Elle n'est pas déviée, rien du tout. Mais, vous voyez, ou alors il faut que j'achète un pied pour ma recouvreuse transparent parce que je gère moins bien, j'ai plus peur de dévier qu'avec ma piqueuse droite où là, je suis... Bon, effectivement, je suis obligée de m'en reprendre à deux fois. Hein, une première piqûre, je me sers de mon pied de biche hein, à l'extérieur du pied de biche et la deuxième piqûre aussi
sur la première piqûre, mais j'arrive à mieux gérer. Que là, comme le pied n'est pas transparent, des fois, je gère, mais ça me fait un peu plus peur. Donc voilà. Bon, alors je monte la deuxième poche. Donc je viens de vous expliquer, je ne vais pas vous emmener dans la couture, comme ça, ça m'évite de déplacer le téléphone. Et je vous reprends après. Alors, je viens juste de vous reprendre là pour le repassage. Alors, ça ne va pas être facile parce que je n'ai pas de pied, vous voyez, qui puisse... Je fais bien attention de bien plaquer mon tissu suisse contre l'envers. Je l'ai retourné. Et je fais bien attention de venir passer mon fer à... qui reste, vous voyez, 2 mm de jean, parce que sinon on verrait le tissu suisse de l'autre côté sur l'endroit et ça serait pas très joli. Donc je vais faire attention, vous voyez, je laisse 2 mm comme ça et puis je passe mon fer pour bien le former. Voilà, avant de faire ma surpiqûre. Vous voyez, comme ça sur l'endroit, on ne voit pas du tout le coton suisse, hein. Il y a 2 petites millimètres qui va être maintenu par ma surpiqûre maintenant. Voilà, mes deux poches italiennes sont montées, hein, les deux sont faites. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des petits points dans la marge de couture pour maintenir le haut, pour maintenir les côtés. Voilà, comme ça, c'est plus pratique pour pouvoir positionner après ces pièces. Donc, la suite. Alors, je vous montre quand même de plus près, vous voyez, du coup, avec la découpe là sur la jambe avant, le petit dessin que ça fait original, je trouve. Vous voyez, ça fait comme une pointe, un peu, ça rappelle un peu les poches arrière finalement. Hein. Voilà, je trouve ça trop joli. Je me suis trompée. J'ai pas cousu la fourche. J'ai cousu le côté. Heureusement que je vous le dis, hein. On coud la fourche. Bon, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous avez vu que je me suis trompée. Ah oui, hein. Oh, j'ai bien fait, oui, oui. Petit point aussi pour bien maintenir, pour que mes coutures soient bien en face l'une de l'autre. Sauf que j'ai cousu le côté, alors qu'il ne faut pas coudre le côté quand on en est là. C'est après, il faut coudre la fourche. Et je vous le disais, on coud la fourche. Donc là, j'ai recommencé. Hein. J'ai tout décousu, bien sûr. Hein. Ça m'a pris un temps fou. Bon, bref. Et voilà, j'ai quand même remis des points de bâti. Mais j'ai un petit décalage quand même. Et je crois que ça va rester comme ça. Franchement, ça reste comme ça. Je le vois, hein, mais ça reste comme ça. Tant pis. Allez, on continue. J'ai fait une surpiqûre. Et finalement, hein, c'est pas si mal que ça, hein, avec la surpiqûre. Hein, c'est bien. Voilà, j'ai fait la surpiqûre. Donc, le dos, c'est fait. Alors, le devant, endroit contre endroit, bien sûr. Alors là, j'ai fait un petit point de bâti. Pourquoi j'ai fait un petit point de bâti? Parce que, comme je vous le disais, c'est la première fois que je fais une braguette invisible. N'importe quoi. Une fausse braguette. Donc, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Alors, effectivement, une fois que ma couture sera faite, je vais avoir un petit amas de tissu là que je vais venir, si j'ai bien compris, rabattre sur un côté, hein, sur le côté, alors, je sais pas, il faut que je regarde sur le côté droit, gauche, enfin bref, ça je vais voir, voilà, et puis on va faire une couture comme ça et ça fait la fausse braguette. Oh, c'est tout facile, hein, je l'avais jamais fait, c'est tout facile quand même, hein.
Allez, on passe à la couture. Voilà. Bon, c'est pas génial, génial. J'aurais dû tracer. J'aurais dû tracer hein, pour faire le trait un de ma couture un peu là. Bon, là, du coup, j'ai pris la piqueuse plate hein, parce que voilà. Mais bon, voilà, ça y est. Hein, c'est ma première braguette invisible. J'en veux avec de l'invisible fausse braguette. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, là, maintenant, on va. Je vous détaille tout, hein, vous avez vu. Hein. On va prendre le devant. Je vous penche un peu. Hop. Voilà, ça, je pense que c'est bien. On va prendre le devant. On va prendre le dos. Et on va venir rejoindre l'entrejambe. Voilà. Donc, avec des pinces, hein, là, c'est bien. Et on va épingler tout du long dans l'entrejambe. Je dis bien, nous allons épingler l'entrejambe. Voilà. Parce que dans l'entrejambe, on fera aussi une surpiqûre pour que ce soit solide. Pourquoi que ça tire un peu là? Hop. Pour que ce soit solide. Là, je sais pas pourquoi ça a tiré un peu là. Je reprends. Pourquoi ça tire ce côté-là? Je dirais qu'il y a un bout en moins ce côté-là. Hop, le milieu. Le milieu de là, voilà. Et voilà, donc une petite, voilà, et on va coudre ici toute l'entrejambe sur piqûre, enfin non, coudre l'entrejambe. Passer à la surjeteuse, au fer à repasser et sur piqûre. Et voilà le résultat. Hop, tout l'entrejambe est cousu et aussi surpiqué. Voilà. Alors maintenant, ben, il faut faire les côtés. Donc, on reprend notre endroit contre endroit. Hop. Notre pantalon endroit contre endroit. Et on pince ou on épingle les côtés. On les coud et on les passe à la surjeteuse. Après, je verrai s'il y a une surpiqûre à faire. Généralement, on va jusqu'à la poche dans un jean. On fait une surpiqûre jusqu'à la poche et puis c'est tout. Je vais voir ce que le livret technique dit. J'en suis là. Voilà. Donc, les côtés sont cousus. Alors, je ne sais pas trop au niveau du raccord, là, si c'est vraiment ça. Je pense que... Est-ce que je ne devais pas plutôt mettre... je ne sais pas. Si ça fait pas... Ça, je sais pas. Oh, quoique, si, ça fait comme sur la photo. Je ne sais pas. Bah, il est beau, hein? Il est beau. Un skinny, hein? Mais si, ça ira.
ça ira. Il ne me reste plus que la ceinture. Donc, la ceinture, c'est simplement une bande pliée en deux avec un élastique à l'intérieur. Voilà, les bords du pantalon. Et puis, il sera fini. Bien, je reviens vers vous. Ça y est, il est terminé, ce petit Gotan de petit homme. Donc, c'est un patron quand même qui est assez facile à suivre parce que il y a un cahier technique vraiment détaillé. Hein. Ça, je peux pas dire. Je l'ai regardé en cousant et après aussi pour voir un peu les erreurs que j'aurais pu faire quand je ne suivais pas ce livret technique. Des photos bien clair, donc on ne peut pas se tromper. Franchement, même si on choisit la formule avec les découpes et tout, voilà. Après, il y a la formule où le jigging est tout simple, donc on a le choix hein, de se compliquer un petit peu la vie ou de faire une cousette facile et puis simple parce que c'est un jigging simple. Alors, moi, j'ai choisi de le faire dans un jean, mais on peut le faire du moment qu'il y a 30% d'élasticité dans son tissu. Moi, j'ai choisi le jean parce que c'est la matière que Johanna préfère, mais bon, après, voilà, je me souviens lui en avoir fait un en velours et qu'elle n'a pas aimé du tout, donc... au niveau du contact, alors je sais pas si c'était un velours extensible de chez Dressenstoffen. Bon, est-ce que la matière ne lui plaisait pas avec parce que s'il est extensible au niveau du velours, il y a peut-être trop de polyester. Enfin bref, elle n'a pas aimé. Donc ici un petit jean. Donc je me souviens plus. Hein. Peut-être bien tissu de rêve hein, parce que des fois j'achète quand même pas mal mes jeans sur tissu de rêve parce qu'ils sont pas chers, hein, il faut dire ce qui est. Et puis, comme souvent, moi personnellement, je ne me sens pas encore très très sûre de moi, évidemment. Je vous entends dire oui, mais non, Pascal, tu assures. Oui, des fois j'assure à moitié. Donc, je ne suis pas encore prête à mettre trop d'argent dans les tissus, voyez-vous. Alors, ça va venir. Hein. Je me sens de plus en plus à l'aise. Hein, c'est pas ça. Mais voilà. Là, en plus, les petits s'agrandissent. C'est de la bonne qualité quand même. Hein, les jeans de tissu de rêve. Là, je viens d'en commander aussi sur les coupons Saint-Pierre. Il y avait des promotions. Bon. On verra bien parce que j'ai envie de me refaire aussi des plantains parce que c'est vraiment le pantalon où je me sens le mieux dedans. Et bon, là, comme j'ai pris un peu de poids, voilà, j'ai besoin de... Enfin, j'ai d'autres pantalons qui attendent dans l'armoire que je maigrisse un peu et j'ai besoin d'un ou deux plantains pour dire d'être à l'aise dans les changements parce que je... Je vous raconte ma vie, mais je fais des lessives pas toutes les semaines au niveau des jeans et tout. J'attends d'en avoir plusieurs parce que j'ai une machine de 10 kilos. Donc, j'attends d'en avoir plusieurs pour faire une machine de jeans. Voilà, voilà le pourquoi. Bon, maintenant que vous savez tout, hein, vous êtes contente. Hein. Donc, si on revenait un petit peu sur notre pantalon, je n'ai pas fait les bords. Parce que je n'ai pas Johanna sous la main et que je vais quand même lui faire essayer pour faire les bords. Vous n'aurez pas de photo portée non plus parce que Johanna est partie en week-end avec ses parents. Voir les cerfs-volants sur les plages du Nord. Voilà. Donc, voilà. Hein, pas de photo portée. J'essaierai dans une prochaine vidéo quand même de vous faire un petit rappel, un petit retour pour voir si la taille 6 ans correspond. Hein, elle va avoir 5 ans, Johanna. Je n'ai pas ses mesures en tête non plus. Mais elle doit faire du 54 ou 55. Alors, je l'avais noté sur mon cahier à un moment donné. Et elle n'a pas dû trop changer en tour de taille. Elle a surtout filé comme une asperge. Mais elle n'a pas changé de tour de taille. Jo.
tour de taille, vous voyez là, la dernière fois, je lui ai pris 53. Bon, elle a peut-être dû prendre 1 ou 2 cm, mais pas beaucoup plus. Donc, là, la taille 6 ans dans le cahier technique, je vais aller voir à quoi ça correspond. Alors, vous voyez, dans le cahier technique, ils prennent le tour de bassin. Et je n'ai pas cette mesure de tour de bassin pour Jo. Alors, donc, du coup, ils disent 64 en tour de bassin. Bon, j'en sais rien du tout. À vue d'œil, comme ça, je pense que ça va aller. Parce que je la garde quand même assez souvent et que je l'habille quand même quand elle vient à la maison. Donc, à vue d'œil, comme ça, ça a l'air d'aller. On essaiera de toute façon. C'est un peu... C'est le premier. Donc, voilà. Donc, c'est le premier. Alors, au niveau des finitions, pour la dernière étape, donc c'est une ceinture. On ne vous met pas le patron de la ceinture. On vous marque dans le cahier technique la longueur préconisée pour la taille que vous avez choisie. Sur une hauteur, là, c'était de 8 cm pour cette taille-là. Donc, je me suis exécutée. Par contre, il montre une façon d'insérer l'élastique un peu différent. Moi, je couds ma ceinture tout autour, je laisse un espace, je glisse mon élastique et je referme ensuite. Que eux, ils couent une première fois la ceinture, mais sans la plier. Ils insèrent l'élastique. Ils replient la ceinture et ils font une deuxième couture, avec la ceinture dedans. C'est pas mal non plus. J'essaierai peut-être bien une prochaine fois. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait comme ça parce que je n'ai pas lu le cahier technique, n'est-ce pas, avant. Donc, je ne pouvais pas le faire comme ça. Je ne pouvais pas l'essayer. Donc, vous voyez, alors, je veux que ce soit bien clair. Ici, je vous emmène avec moi dans ma couture. Ce n'est en aucunement un tuto. Aucunement. Je vous emmène, je vous montre mes bêtises. Comme ça, si vous le faites, les bêtises, vous les ferez peut-être pas. Ou pas, hein, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vocation du tout à remplacer le cahier technique de Petit Dôme ou de faire un tuto pour Petit Dôme. Je ne suis pas rémunérée pour ça. Et je vous emmène juste coudre un petit peu avec moi. Ça me fait un peu de compagnie. Et puis, je sais que vous aimez bien, des fois, d'avoir un surlong, c'est comme ça qu'on dit, pour coudre quelque chose, etc. Mais en aucun cas, ici, je me mets à la place d'un tuto ou d'un professeur, ou etc. Je ne suis pas du tout, je suis comme vous, autodidacte, et je vous montre juste les bêtises qu'on peut faire. Voilà, c'est tout. Hein, parce qu'il n'y a aucun caractère commercial de cette vidéo, et il faut bien le savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, moi, c'est une cousette qui m'a bien plu, parce qu'il y a quelques petits points techniques, et du coup, ça agrémente un petit peu la couture. Il y a des choses à améliorer, hein. Je vois qu'il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Alors, je recommencerai de faire les surpiqûres à la recouvreuse. J'estime que c'est discret. Hein. On ne peut pas dire que c'est des surpiqûres qui se voient vraiment beaucoup, quoique. Hein. Mais de loin, vous voyez, on ne voit pas non plus grand-chose. Voilà, j'ai des choses à améliorer, hein, comme la jonction entre les deux empiècements, hein, parce qu'on peut pas parler de rehausse, hein, on peut pas parler de rehausse sur ce pantalon, c'est juste des empiècements pour faire un petit effet déco, un petit rappel jean, voilà. Mais, et puis en plus ici, quand j'ai cousu, vous voyez, la ceinture, évidemment, ça ne tombe pas en face non plus de ma couture de ma fourche. Donc, voilà, hein, ça c'est à améliorer. Ça, la petite braguette, c'est pareil, c'était la première fois que je faisais. J'aurais dû tracer
mon trait avant de coudre, parce que là je me rends compte que je m'en vais un peu en travers et du coup ça aurait mérité d'arriver ici, hein, pour que ce soit plus propre. Pareil, bon, c'est le premier. En plus, je sais que Johanna ne porte pas dans le pantalon les pulls, etc. Elle les porte au-dessus, donc ça ne se verra pas, c'est pas très grave. Je suis par contre contente de mes petites poches qui sont bien réussies. Mes petites surpiqûres sont impeccables. On voit pas le tissu. J'ai bien fait mes deux petits millimètres de rentrée pour dire de ne pas voir le tissu à l'intérieur de la poche. Ici, au niveau de la ceinture, alors pour marquer le dos du devant, bon, quoi qu'il y ait les poches, hein, alors ça se voit, hein, c'est pas ça. Mais quand même, j'avais envie que ce soit simple pour elle quand elle enfile son pantalon. J'ai mis, alors pas une étiquette cette fois-ci, j'ai mis un petit billet, un petit morceau de billet là sur le dos. Comme ça, quand elle prend son pantalon, elle reconnaît tout de suite le dos du devant. Et elle se pose pas de questions. Eh bien, écoutez, je n'ai plus rien à dire sur ce pantalon. J'espère que ça vous a plu de m'accompagner un petit peu dans cette couture. Cette semaine, j'ai pas fait grand-chose, hein, vous voyez. Je vais vous mettre cette petite vidéo en ligne là en fin de semaine. Et j'ai pas fait grand chose cette semaine. Alors pourquoi pas? Parce que j'avais des rendez-vous en début de semaine pour France Travail maintenant. Et puis après j'ai gardé les petits mercredi. Donc je peux pas être toujours derrière mes machines à coudre. Puis bon, la vie fait que on ne fait pas que ça non plus. Hein, donc je suis contente quand même d'avoir mené au bout ce petit pantalon qui sera essayé, je pense, en début de semaine prochaine puisqu'ils sont en week-end. Et j'espère qu'il lui ira. À vous, j'espère que ça vous servira aussi. Alors, je le répète, hein, pas pour un tuto, mais pour montrer les bêtises qu'on peut faire. Hein, parce que quand on filme, on est moins attentive au déroulement de sa couture que si on ne filmait pas, il faut dire ce qui est. Hein, donc, quand au lieu de coudre la fourche, là, j'ai cousu les côtés, alors que du coup, ça ne marche pas du tout, hein, forcément. Il faut tout découdre. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave. C'est aussi ça, la couture. Et bien, sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous allez faire de belles cousettes. Et puis moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra suivant les cousettes que j'ai à faire. Parce que là, j'ai un test à faire d'un short pour les bobines patterns. Évidemment, là, je ne peux pas vous le filmer, évidemment, puisque c'est un patron, une box hein, qui va sortir au mois de juin. Donc, voilà. Encore un petit peu secret. Je vous souhaite de bonnes cousettes et je vous dis à bientôt.